Let's go! La maison est en feu. Voyons voir ce qui a provoqué l'incendie de la maison de Wolfou. Ne vous amusez pas dans les sous-sols, les enfants. S'il te plaît. Oh, ils n'ont pas du tout écouté ce que Papa Wolf a dit. Oh non! Cool! Pensez-vous que les actions de Wolfou étaient bonnes ou mauvaises? Au feu! Au feu! Vite, appelez le 911. Regardez, le feu a pris de plus en plus d'ampleur. Comment la famille Wolf peut-elle s'échapper maintenant? Maman est toujours là-dedans. Maman! Maman! Avez-vous vu les conséquences de jouer avec le feu? C'était notre faute. On est désolés. Heureusement, tout le monde va bien. Ne jouez pas avec des objets inflammables ou vous pourriez vous blesser. Waouh, tant de types de dentifrice. Lucie était très enthousiaste et voulait l'essayer immédiatement. Arrêtez. Ne pas manger de dentifrice. Regardez, c'est le nouveau dentifrice aux fruits. Le dentifrice, c'est génial. Mais devinez quoi? Comment l'utilise-t-on? J'ai plein de dentifrices avec des goûts différents. Vous voulez essayer? Il s'agit des modèles de produits les plus populaires dans le village de Poton. Les amis, prenons des bonbons aux fruits. Ce dentifrice ressemble à des bonbons. On peut goûter? Est-il vraiment comestible? Vous ne pouvez pas manger le dentifrice. Nous examinons également les conséquences possibles. Au revoir. Vous voyez, si nous mangeons du dentifrice, nous aurons mal au ventre. Ah,
Oh non! On a compris! N'oubliez pas qu'il ne faut surtout pas manger de dentifrice. C'est dangereux. Quoi faire, Lucie? Walfou, regarde! Lucie coiffera-t-elle la poupée Elsa? Ne t'inquiète pas, je vais te faire toute jolie. À l'aide, s'il te plaît. Oui. J'arrive. Bonjour. On dirait que le coiffeur n'est pas aussi simple que Lucie le pense. Je suis sûre que ça va aider. Oh, Lucie, il ne faut pas faire ça. Arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Allez! Tu vois ça? N'utilise pas le sèche-linge sans demander l'avis de tes parents. Vous devez demander de l'aide à un adulte quand vous utilisez le sèche-cheveux. Maman, est-ce que tu peux aider Lucie à réparer les cheveux d'Elsa? Oui! Hey, Jenny ne peut pas jouer à ça. C'est la nouvelle invention de mon père. Heureusement, Jenny a failli être blessée. Ne joue pas au foot autour du bébé. On va faire plus attention. Non, même si la balle ne touche pas Jenny, elle peut casser des choses et créer plein de problèmes. On a compris. Faisons une compétition de maisons de poupées. On verra quelle maison elle préfère. Oui, oui. Les deux maisons sont très belles. Jenny ne sait pas laquelle choisir. Rouge, orange, jaune, vert, bleu. Pourquoi Jenny ne peut-elle pas manger des bonbons? Jenny peut s'étouffer avec ses bonbons.
toi. Après l'épisode d'aujourd'hui, savez-vous comment jouer en toute sécurité avec bébé? La télécommande de l'emploi. Ouais. Wow. Trop bien. Eh bien, maman Wolf et Lucie adorent le dessin de Wolfo. Je dois terminer mon travail. Papa est si occupé. Appuyez sur n'importe quel bouton pour transformer votre père en cette personne. Merci. Qu'est-ce que Wolfou veut faire? Papa, est-ce que tu veux essayer un autre travail? Laisse-moi t'aider. Incroyable. Il est temps de travailler. Mais pourquoi Wolfou veut-il changer le travail de son père? Tu vas vite t'y habituer. Au voleur! Oh non! Papa, va l'attraper! Ouf, heureusement, le vrai police bu est arrivé au bon moment. Ce travail n'est pas plus facile. Nous verrons bien, à la fin, pour quel emploi Papa Wolf sera le mieux adapté. Bonjour à tous. Ça suffit, Wolfou. Vous ne voulez pas un travail plus facile? Mon travail est un peu stressant, mais j'ai vraiment appris à l'aimer. Conseil de sécurité pour les balcons. Oh, regardez. Aujourd'hui, Wolfou et Lucie ont été emmenés par Papa Wolf pour manger au restaurant de Monsieur Pan. Veuillez monter les escaliers. Est-ce que tu peux prendre une photo pour nous, s'il te plaît? Oh non, Lucie va escalader la balustrade. Stop! Ne savez-vous pas que c'est dangereux? Il s'avère que Lucie pourrait tomber. Je ne grimperai plus jamais sur le balcon.
Je vais chercher l'addition. Attendez ici. Salut. Que doit faire Wolfou maintenant? Hé, Piggy! Hein? T'as oublié ça? Lance-le-moi! Oh non, Wolfou a déjà cassé une plante en pot. Le fait de jeter des objets depuis le balcon peut être dangereux pour d'autres personnes. Je suis vraiment désolée. Savez-vous maintenant ce qu'il ne faut pas faire à un balcon? Ne pas grimper sur le balcon et de ne rien lancer non plus. Papa est mon super héros. Le bus scolaire passe à 7 heures. Sois prêt pour Wolfou d'ici là, d'accord? Oh non! Réveille-toi, Wolfou! Nous nous y rendrons en voiture. Le grille-pain est cassé. Sautons le petit-déj, papa. C'est bon, le petit-déjeuner est déjà prêt. Ce matin, Wolfou et son père sont un peu déstabilisés, n'est-ce pas? Nous ne serons pas en retard. Je prendrai le raccourci. De plus, le chemin de l'école est un véritable embouteillage. Si seulement papa était un super-héros. Détends-toi, mon fils. Nous y sommes presque. Waouh! Le souhait de Wolfou est devenu réalité. Tu viens me chercher après l'école? Regardez, Wolfou aime tellement Super Papa. Salut! Tout le monde est parti, mais personne n'a encore ramassé Wolfou. À l'aide! Il s'avère que Super Papa est toujours très occupé. Désolé, Wolfou. Je te ramène à la maison dans une minute. Vous voyez, Superman n'est pas aussi parfait que Wolfou le pense. Wolfou, nous y voilà. Je t'ai acheté un nouveau sandwich. Mon papa, c'est vraiment le meilleur. Oh!
La fausse maman. Restez bien à la maison, d'accord? Je reviens très vite. Oh, voyons ce qu'Alien apporte pour jouer avec Wolfo. Cette machine nous aidera à être n'importe qui. Dehors. Oh, Wolfo n'écoute pas sa maman. Oh non, le voleur Rhino prétend être la mère de Wolfo. C'est dangereux. Madame Wolf, il y a quelqu'un à la maison? Je suis là. Maman, j'ai faim. Vous savez quoi? La police recherche un criminel dans notre quartier. Va-t-il arriver quelque chose à Lucie? Oh non! À l'aide, s'il vous plaît. Nous sommes désolés d'avoir laissé la porte ouverte. La prochaine fois, souvenez-vous bien de fermer la porte quand les adultes sont loin. Les enfants, souvenons-nous. Beaucoup trop d'amour. Viens voir mon nouveau tour. Arrête! Oh, Wolfo a fait tomber tout le pop-corn sur Kat. Je ne peux pas jouer maintenant. Madame Kat a dit qu'elle allait me donner un test plus tard. Personne n'attend pour moi. Alien peut-il aider Wolfo à ce stade? Mets-le. Et tout le monde t'aimera. Oh, l'objet de l'extraterrestre fonctionne déjà. Oh!
dirait que Wolfou n'est pas content quand les gens s'approchent de lui. Wolfou, joue avec moi. Waouh, ça marche vraiment ce truc. Que fera Wolfou pour résoudre ce problème? J'ai l'impression que personne veut jouer avec moi. Mais on t'aime tous. Mais on peut pas passer du temps avec toi quand on est occupé. Oui, on jouera ensemble quand on sera libre. Les enfants, veuillez respecter la vie privée de chacun. Balai de glace contre balai de feu. Bientôt, Lucie participera au concours de balai. Oh non, elles sont toutes si fortes. Comment est-ce que je pourrais gagner? Y a-t-il un moyen d'aider Lucie? Quelle idée unique les enfants Wolf ont-ils eue? Pouvez-vous le deviner? Génial! Bonjour! Lucie, est-ce que tu fais là d'ailleurs? Regarde. Mon père m'a amené ici pour que je participe à la compétition de ballet. C'est sûr que je vais gagner. Non, la gagnante c'est moi. Regardez, la princesse du balai de feu Lucie et la princesse du balai de glace Bonnie sont toutes les deux déterminées. Arrêtez! Unissez-vous, vous ferez un super spectacle. Voyons voir la performance combinée des deux princesses de ballet. Le dernier spectacle de danse était vraiment bon. L'unité crée la victoire, mes amis. Mmh.
Lucie. Lorsque Wolfou est parti, Wolfou et Lucie parviendront-ils à vaincre l'ennemi? Oh non! Fin de la partie. Je suis désolée. C'est pas grave, c'est l'heure du thé. Oui. Oh non! Wolfou! Alien, j'ai besoin de ton aide! Oh, Lucie pense que Wolfou est ennuyeux. Oh. Je ne veux plus jouer avec Wolfou! Ne soyez pas comme ça! Non! D'accord alors. Il suffit d'effacer Wolfou de l'image pour qu'il quitte la maison pour quelques jours. Papy? Papy? Lucie, Wolfou restera avec nous pendant une semaine. Oui, j'ai compris. Voyons voir, en jouant seul, est-ce aussi bien que Lucie le pense? Quand Wolfou n'est pas là, Lucie n'a pas besoin de rivaliser avec qui que ce soit pour les jouer. Trop cool! Wolfou! Mais tu vois, jouer seul n'est pas amusant du tout. Lucie! À ce moment-là, son frère manque beaucoup à Lucie. Lucie! Lucie! Comment cela se passe-t-il? Je veux que Wolfou revienne. Lucie! Wolfou! Je suis désolée. Avoir des frères et sœurs, c'est génial, n'est-ce pas? Pourquoi y a-t-il tant de monde et tant d'agitation? Les bébés musclés. Je dois partir maintenant. Revenons une prochaine fois. Pourquoi est-ce qu'on avait autant de muscles avant? Et beaucoup nous admiraient. Les enfants, peux-tu nous aider à réparer la cabane? Regardez, les bébés ont des muscles, c'est cool. Peut-être qu'on ne s'entraîne pas assez, alors on n'est plus aussi fort. Recommençons. Travaillons dur ensemble. Oh. Oh. Oh.
Cette façon de reprendre du muscle n'est pas bonne. Pourquoi est-ce que vous faites de l'exercice à ce point? C'est parce qu'on veut avoir des muscles. À votre âge, les muscles ne sont pas encore développés. Vous devez seulement manger et boire proprement pour rester en bonne santé. Alors, pourquoi est-ce qu'on avait des muscles quand on était bébé? Il s'avère que les bébés portent des t-shirts moulants juste pour prendre des photos. On va faire de l'exercice proprement pour rester en santé désormais. Oh, qu'est-ce qui se passe avec Lucie? Le bébé zombie. Est-ce que tu peux surveiller Lucie pour moi? Je vais un petit peu au jardin. Pourquoi Lucie suit-elle Wolfou? Wolfou s'est alors imaginé que Lucie était un zombie. Wolfou était prêt à se battre comme un guerrier. Maman! Wolfou, ne fais pas ça à ta sœur. Maman, regarde ça. Oh non! Les bébés ont tendance à suivre les personnes qu'ils connaissent, comme leurs parents ou leurs frères et sœurs. Et si elle mord, c'est parce qu'elle est en train de faire ses dents. Ah, j'ai compris. Je pensais que t'étais devenu un zombie. Arrête! Non, non! Ne laissez pas Jenny boire de l'eau gazeuse. On dirait que les deux sœurs s'amusent beaucoup à jouer ensemble. La méthode de Lucie aidera-t-elle Jenny à manger? Jenny, regarde! Jenny a mal aux dents, alors elle ne va probablement pas manger. Est-ce que vous pouvez veiller sur elle? Oui! Papy? Pour toi.
Merci, Lucie. Mais je suis trop fatiguée. Je ne peux pas manger. Mais comment tu peux guérir si tu ne manges pas? Il utilise des médicaments, alors il n'a pas besoin de manger aujourd'hui. Mon Dieu, il s'avère que Lucie pensait que si Jenny suivait une thérapie, elle n'aurait pas besoin de manger. Jenny n'aime pas l'infusion. Peut-être qu'elle devrait juste la boire. Hey, Lucie, Jenny ne peut pas boire d'eau gazeuse. Ce ne sont que des jouets. Et seuls les docteurs peuvent utiliser les infusions pour traiter les patients. Oui. Grâce au docteur Lucie, Jenny mange bien. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a de si amusant avec les enfants Wolf? Papa, c'est l'heure de la soirée pyjama. Hey. Papa, tu es prêt pour notre soirée pyjama? Je suis prêt. Avez-vous déjà participé à une soirée pyjama avec votre famille? Papa! 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 Que la fête commence! Voyons si la soirée pyjama de la famille Wolf est intéressante. Allons en faire d'autres. Papa, faisons un château en oreiller. Oh non, on dirait que Papa Wolf est très fatigué. Pourquoi est-ce qu'il dort dans notre pyjama party? Oui, il n'est plus invité. À votre avis, Wolfou et Lucie devaient-ils faire cela à Papa Wolf? Pas de gens qui dorment ici. Combat d'oreiller. Papa Wolf sera très triste, Wolfou. Est-ce que vous savez pourquoi votre père est si fatigué? Papa a une longue journée de travail, mais il passe quand même du temps avec vous. Je suis désolée de t'avoir maltraité.
Je suis aussi désolé d'avoir gâché ta soirée pyjama. Les parents sont toujours très occupés, mais ils s'efforcent toujours de faire en sorte que nous nous amusions le plus possible. Alors, s'il vous plaît, aimez davantage vos parents. Princesse! Princesse Kat, Wolfou te protégera. Courez, princesse! Les monstres attaquent le château! Hein? Non, je viens avec vous! Oh! Wow. Comment le prince Wolfou et la princesse Kat vont-ils combattre les monstres? Coupez! Oh! On a fini avec la répète. Reposez-vous un peu. On commence dans 30 minutes. Oui. Il s'avère que les enfants se préparent pour le spectacle. Bonjour. Désolée, je suis en retard. Oh non, le costume est cassé. Nous n'avons pas le temps de les réparer. C'est beau. Hé, hey, les copains. Oui. Quelle est l'idée de Wolfou? C'est effrayant. Le prince et la princesse gagneront-ils? Va-t'en, va-t'en. Super. Mon Dieu, pour sauver la princesse, Wolfou s'est transformé en monstre. Ces zombies ont peur de l'eau? Arrêtez ça! Grâce à l'intelligence de la princesse Kat, le château est en sécurité et tout le monde est revenu à la normale. Hé, hey, qu'est-ce qui ne va pas avec le professeur Kat? Professeur, nous sommes désolés. Oh non! Maman, fais attention! Les amis, rappelez-vous de ranger vos outils après les avoir utilisés, sinon ça peut être très dangereux. Est-ce vrai? On est désolé. On a compris. N'oubliez pas non plus le conseil de Kat, les enfants. Est-ce que tu sais faire du roller comme à la télé? Ha ha ha!
trop facile. Eh bien, regardons Wolfou jouer. Arrête, Wolfou! Stop! Wolfou, c'est dangereux de faire du roller dans la classe. Oh là là, le professeur Katz s'est blessé en protégeant Wolfou. Vous devriez jouer dehors pour être en sécurité et n'affecter personne. Wolfou et Pando ont donc appris deux leçons aujourd'hui. Et vous ? Le train des zombies. Pourquoi sont-ils si pressés? Ouf, je suis pas encore déguisée pour le casting. Est-ce que tu peux me maquiller maintenant? Ce n'est pas une bonne idée de te maquiller dans ce train qui bouge. Non, maman, s'il te plaît, tout de suite. Ne fais pas de bruit dans les endroits publics. N'oublie pas que tu as besoin de calme dans le train. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Wolfou, c'est nous, Kat et Pando. À quoi on ressemble? Est-ce que vous pouvez faire mon maquillage? Voyons voir à quoi Wolfou ressemblera grâce au talent de maquilleur de Kat et Pando. Ça fait assez peur? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Quelle est la blague de Wolfou? Ne fais pas ça! Juste un petit test. Est-ce que vous allez bien? Oh non! As-tu vu les conséquences de la blague de Wolfou? Tu ne dois pas embêter les autres personnes dans les transports publics. On est désolé. Oh, les toilettes sont en réparation. Stop. N'urine pas dans la baignoire, Wolfou. Stop! Je répare les toilettes. Tu devrais utiliser le pot.
Oh non, Wolfou a envie de faire pipi, mais il ne trouve le pot nulle part. Pour toi. Wolfou! Wolfou pense que l'urine s'écoule par le trou d'évacuation de la baignoire. Non. Quelles sont les conséquences d'aller aux toilettes au mauvais endroit? Attendons de voir la réponse, les gars. Regardez, les vilaines gouttes d'urine laissent de mauvaises odeurs dans toute la salle de bain. De plus, il contamine également l'eau propre. C'est la raison pour laquelle Lucie a une éruption cutanée rouge sur tout le corps. Ne faites pas pipi dans la baignoire. Utilisez le pot et les toilettes. Oui, j'ai compris, maman. Pourquoi l'eau du bain de Lucie est-elle si bizarrement colorée? Le bain de soda. C'est tout rouillé. Que peut-on faire avec cette bouteille de soda? Attendez. On peut enlever la rouille du métal avec de la soude. C'est incroyable, mais incroyable. Je veux le siège d'enfant. Oh là là, arrête Lucie. Et si on utilisait du soda? Mais on peut même prendre un bain avec, alors. Hein? Ils vont se baigner avec du soda? On y va! Qu'en pensez-vous? Le bain avec du soda est-il acceptable? Wolfou va bien maintenant.
Le soda contient du sucre qui attire les insectes. De quoi s'agit-il? Je pensais que le soda pouvait nous laver. Nous pouvons l'utiliser pour le métal, mais pas pour notre corps. Viens ici, nous allons te baigner à nouveau avec de l'eau propre. Souvenez-vous de la leçon d'aujourd'hui, d'accord?